Wesh les gars, c'est Chicken pour une toute nouvelle vidéo, les gars, toute vidéo. Comment on a fait pour se qualifier deux fois à la Cup Zero Build en JO? Je vous explique tout ça et je vous donne des conseils pour finir tout simplement deux fois. Donc, comme vous pouvez le voir, on a fait 275 et 222 points. On a fini 229e et environ 1500e. Alors, je vais vous expliquer sur cette partie là comment on a fait pour finir 229e. Mais sur ce, n'hésitez vraiment pas à rester jusqu'à la fin, liker, partager comme d'habitude, vous abonner. Il y a plus de 90% d'entre vous qui regardent mes vidéos, pardon, et qui ne sont pas abonnés. Et n'hésitez vraiment pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, les gars, parce que je vais vous donner une astuce qui vous permettra de faire au minimum 200 points sur la cup. C'est assuré, à part si vous faites des bêtises, mais ça, je n'y crois pas. Donc voilà, donc abonnez-vous, les gars, ça fait extra plaisir. Donc sur ce, on va aller se voir juste là. Donc on va aller à la 229e position. Et normalement, on y est. On est juste là, on est là, donc 228. Donc voilà, on va regarder un peu l'historique des parties qu'on a fait. Alors on a fait, donc première partie, on a fait top 7 1 kill. Puis donc je vais tout vous enchaîner. Top 6 11 kills, top 29 1 kill, top 4 9 kills, top 45, top 16 et top 1 10 kills. Maintenant je vais vous expliquer comment on a fait pour faire top 1 en cash cup 0 build. Donc je vais vous parler du choix du spawn. Donc c'est simple les gars, choisissez un très bon spawn. Je vous conseille la Vichler. On l'a testé, c'est vraiment un bête de spawn en cup parce qu'il y a environ 1, 2, 3 teams maximum. Donc si vous planquez, t'attends juste le bon moment et tu fonces dans le tas. Et là t'as win frère, tu niques tout le monde. Tu prends le médaillon, tu prends le coffre, tu prends la mythique et t'es trop bien. Donc là ce qui s'est passé c'est qu'on n'a pas du tout réussi à spawn comme il le fallait. Donc on a du spawn juste ici. Donc voilà, on va passer le spawn. On va partir tout simplement au premier kill. Donc pour tout vous dire les gars, pendant les milieux de game, on fait rien. On attend seulement les points de top au top 25. Et c'est qu'après qu'on commence à aller rush. Parce que moi j'appelle ça le double point. En gros, quand vous killez une team entière, ça vous donne 4 points. Parce que un kill c'est 2 points. Plus 2 points de top. Donc c'est pour ça que j'appelle le double point. En gros, si tu veux, au lieu de te donner 4 points, ça t'en donne 6. Voilà, c'est appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas, c'est un banger. Donc voilà, là, on va se stuff tranquillement. Donc là, déjà, je vois qu'il y a un problème. C'est que là, il y a un toit qui est cassé. Je vois deux carburants. Donc, on va aller les défoncer. Donc voilà, là, je pouvais leur tirer à travers. Donc, parce que leur pied est dépassé. Donc voilà, on tue un. Et là, voilà. Donc, on va tuer l'autre. Donc déjà, ça nous fait 4 points. Ce qui est juste énorme en cup. Déjà, juste 4 points, c'est déjà ultra bien. Donc voilà, donc il va se healer et tout. Très important les gars, votre choix de stuff doit être excellent. Donc je vous conseille à peu près le même stuff que moi. C'est-à-dire un moyen de déplacement, du heal, des tours et deux armes. C'est le meilleur qu'on puisse faire. Donc là on entend des mecs, on voit qu'ils sont juste là. Donc là nous on les voit pas. Et là je vois qu'il y a son pied qui dépasse. Donc ce qu'on va faire c'est moins 142, on le tue. Donc lui il va partir, voilà. On le finit. Et on va partir tout simplement en fin de game pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc là, ce que je vais vous expliquer, les gars, c'est comment on a réussi à faire top 1 sur cette game-là, alors que vous voyez sur la carte en bas, il est resté 23 personnes. Donc c'est super simple, les gars. Donc on est resté caché dans la maison parce qu'elle était en milieu zone et qu'on a eu la zone jusqu'à la fin. Donc là, il y a un mec qui dépasse. On le tue, bien évidemment. Ça nous donne quand même 4 points, parce que du coup, avec les kills et le top. Donc là, ce que je fais, c'est que je me décale. Donc là je vois qu'il y a un mec, je le tue. Je voulais à tout prix aller dans une box pour pouvoir me cover d'en face. Donc là mon pote voit qu'il y a deux mecs. Il va en tuer un. Donc voilà, il y a trois mecs dans le bush, ce qui est vraiment énorme. Donc là on prend l'occasion. C'est que on vole les kills. Donc là comme on peut voir, il va mourir de zone. Donc on a le kill. Là lui c'était foutu pour lui. Donc on ramasse le kill aussi. Donc voilà, là on va s'approcher de lui. On le tue. Donc là j'ai 6 kills. Hop. Et là on finit la game avec tout simplement 10 kills. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très très simple. J'ai perdu donc quasi aucun HP parce qu'on était dans la meilleure position possible. Donc c'est pour ça, si vous êtes dans la meilleure position possible, n'hésitez vraiment pas à y rester. Si vous trouvez que vous êtes vraiment mal, bah, bougez vite avec les grappins et les tours. Sur ce, je vous dis tchuss pour plus de vidéos, pour plus de lives. C'était Hugo. Tchuss.